Namasté la famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je serai ravie de vous lire dans les commentaires. À chaque fois, vous me donnez des nouvelles et je suis ravie. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour des arrivages nose. Je vais y aller dans quelques jours. On se retrouve pour les achats que j'ai faits en faisant mes arrivages. J'ai pris des petits gâteaux comme ceci à mon fils à 69 centimes. Voilà, ce sont des petits cookies au chocolat, tout simplement. Ils sont actuellement dans vos nos, donc vous pouvez peut-être les trouver. Pour Monsieur Namasté, j'ai pris à 99 centimes des petits croissants aux fibres comme ceci. Alors, je pensais que c'était ceux que j'avais achetés la dernière fois fourrés avec de la crème à la vanille ou au chocolat. Et en fait, pas du tout. Alors, tant pis, bah, il mettra de la confiture et puis c'est tout, hein. Ensuite, je lui ai pris comme ceci. Alors là, c'est moi qui lui ai pris parce qu'il n'est pas rentré dans Nose. À 4,99€, des bières comme ceci, un pack de 4. Et ce sont des bières à l'orange. Bon. Alors, on continue avec des petites choses utiles. À 1,30€, j'ai pris du scotch comme ceci. Quand je vous envoie en général des colis, j'aime bien qu'ils soient super renforcés. D'ailleurs, il faut peut-être que je mette la box Nose. Donc, je pense que ça sera intégré dans cette vidéo. Pour un cadeau, parce que vous vous doutez bien que c'est pas pour mon fils ni pour moi, à 3€, j'ai pris ce petit kit avec le bol et le verre Star Wars. Voilà, au niveau de la licence. J'oubliais de vous dire aussi que si la veste elle vous plaît, en fait cette veste en jean je l'ai eue à Babou dans la collection actuelle et donc elle est super jolie, elle est avec de l'élastane et elle a 19,99€. Et vous voyez, elle a, voilà, de toute façon je vais vous mettre sur le côté une petite incrustation. Franchement, elle est topissime, je trouve que c'est sympa une veste en jean avec du noir. Tout de suite, ça coupe un peu l'effet trop sérieux. J'ai trouvé une petite suspension comme ceci, rose gold, de la marque Home. Elle était à 2,95€ et j'ai trouvé que ça pouvait être sympa aussi pour un petit cadeau pour quelqu'un. Également j'ai pris une nappe pour l'extérieur, alors en PVC. Alors à la base elle était à 7,99€, elle est passée à 3,99€. Voilà, je pense que vous les aurez peut-être vus dans les arrivages. En tout cas, ce sont des 140 par 200, de la marque Spontex, une paire de gants tout simplement pour faire le ménage à 99 centimes. J'aime beaucoup la marque Wingo et vous savez qu'à Nose on la trouve très régulièrement, donc à 2,99€ j'ai pris de la lessive 2 en 1 concentrée avec de l'adoucissant à l'intérieur. Vous avez un bouchon autostop et ça c'est génial, ça préserve l'environnement tout comme votre linge d'ailleurs, et donc on peut faire 20 lavages avec cette lessive. Et là on passe à des produits bio de la marque Chanvria. Donc avec une huile pour le visage et le corps qui hydrate et nourrit à base d'huile de chanvre, voilà. Et à l'intérieur, vous en avez 20 ml. Alors le prix, je ne sais plus. Je vais regarder. Donc 1,49€, voilà. Donc c'est une petite marque qui vaut super le coup parce que regardez, je vous mets le prix tout à côté. Également j'ai pris une crème pour les pieds comme ceci, donc à 1,99€, toujours à l'huile de chanvre 100% vierge, et on nous dit que ce sont des produits issus du terroir de l'Aube en Champagne en 100 ml. Et bien évidemment elle n'est pas pour moi, je pense que Brigitte Técaté, tu dois te douter qu'elle est pour toi, voilà, donc je te l'enverrai un petit peu plus tard. Alors, quand je vous ai annoncé le bon plan pour la marque Pupa, je ne sais pas si vous les avez trouvés dans vos noses. En tout cas, le bon plan, il était sur cette marque de petites palettes. Alors, je l'ai juste ouverte pour sortir la palette car elle est pour vous. Cette petite palette vaut entre 16 et 17€. C'est une marque américaine. Vous avez 4 nuances à l'intérieur avec 3,8 grammes. Voilà, et c'est de la marque Vivienne Cosmétique. Alors, également, j'ai pris ce petit kit que vous avez peut-être vu dans les arrivages à 6,99€ qui fera partie de Voxbox Beauté. Donc, à l'intérieur, alors c'est une marque qui s'appelle Cougar Beauty, voilà. Et à l'intérieur, vous avez, alors attendez, un blush,
Voilà, en poudre. Vous avez un lipstick. Alors, je l'ai ouvert hein, pour vérifier que les produits étaient intacts. Donc, c'est normal si vous la trouvez ouverte. Donc, c'est un très joli rose nude foncé. Il est pas mal. Hein. Un lip liner pour aller avec le rouge à lèvres. Également un mascara. Et vous avez trois fards à paupières à l'intérieur. Voilà. Je vous avais fait un petit appel tout simplement au bon plan Pupa avec des rouges à lèvres à 3,99 €. Alors moi, je sais que c'est celui que mon esthéticienne a utilisé pour mon mariage. Malheureusement, ce sont beaucoup de couleurs foncées. Donc, j'avais le numéro 34 et le numéro 35. Donc, je vais vous mettre ici, pas des swatchs, mais uniquement la couleur, puisque celui-ci va également dans votre box. Alors, le produit suivant, je ne l'ai pas fait figurer aux arrivages, tout simplement parce qu'il n'y en avait qu'une. Et donc, on ne va pas vous dire qu'il y a ces crèmes-là pour les mains. Voilà, c'est de la marque Pâtisserie de Bain. Vous vous rappelez, on avait eu d'autres produits. Et là, on avait des petits paquets à 99 centimes. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des petits pots qui ressemblent à un petit pot de confiture, comme ceci. Et donc, elle est au parfum citron. Alors, je n'avais pas envie de l'ouvrir, mais je vais le faire quand même. Je vais regarder quelle odeur ça sent. Eh bien, écoutez, ça sent la tarte au citron exactement comme on a eu au niveau, je sais plus, il y avait des gels douche. En tout cas, moi, j'avais pris le gel douche. Et tour de magie, on se retrouve dans une autre pièce un autre jour, tout simplement quelques jours après, puisque je suis allée à Action. Et également, vous allez voir que à la fin, j'ai une box spéciale déconfinement à ouvrir. Alors, au niveau de Noz, j'ai craqué, voilà, sur ce petit rideau aussi au niveau de la déco, qui est absolument magnifique. Vous voyez, il a une espèce de petite poupée comme ceci. Donc c'est un 8 œillets, 135 par 250. Et c'est pour mettre dans ma chambre, tout simplement parce que sur mon rideau, il y a une tache d'encre. Donc je vais le remplacer. Alors je sais, là, il y en a qui se disent, mais les bijoux, c'est quand? Alors écoutez, je vous ai trouvé ce très joli bracelet. Je vous le montre sur le côté. Donc hashtag bracelet. Et moi, j'ai pris le même en couleur rouge. Ils étaient à 75 centimes. J'espère que ça vous fera plaisir et vous aurez également un bijou dans le hall Action. Alors, comme vous avez pu voir, je vous ai mis la box Noz. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la barre info et à suivre les démarches pour y participer. Alors, pour celles qui se demandent ce que je porte, en fait, c'est une robe de chez Shein. Alors, j'ai pris un petit peu trop grande en M. J'aurais dû prendre du S. C'est pas grave, je vais faire quelques pinces derrière. Mon mari va vous faire une petite vidéo d'incrustation. Vous pourrez ainsi les voir. Ainsi que deux paires de chaussures que j'ai prises qui sont magnifiques. Vous allez voir, elles sont trop belles. Beaucoup hésitent de commander sur ce site, mais vraiment référez-vous aux tailles et non à votre taille personnelle. Vous avez un tableau et en général, on ne se trompe guère. Alors, à Action, j'étais surtout à la déco. Alors, j'ai pris ce petit disque de soupe-plat en maïs qui était très joli. Et vous voyez, je me dis qu'il ira très bien dans cette pièce. Donc, je vous promets le room tour depuis 10 ans maintenant. Mais ça va venir. Également, j'ai pris cette jolie feuille pour une personne de ma famille pour Noël. Voilà. Et puis, j'ai trouvé cette très jolie décoration avec trois petits soleils. J'ai trouvé qu'elle était très sympa dans les tons un petit peu dorés comme ça avec ces petites glaces. Je pense qu'elle fera tout son effet posée sur un meuble. Alors au niveau du make-up, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris juste un petit masque petit chien comme ceci pour Marion Make-up qui les adore. Alors mon mari adore ces petits t-shirts sweat, voilà, à col comme ceci. Donc j'en ai pris deux en taille XXL. Alors c'est pas deux fois la même couleur, mais il faudrait peut-être qu'il boit un peu moins de bière parce que XXL, ça commence à monter en X. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à C'est pas la voir? bière, c'est le muscle. Le muscle, ah ben il a bon dos le muscle. Hein. Alors, et moi je me suis pris comme ceci deux robes noires, voilà, basiques pour la maison en taille S et M, donc celle-ci. Et puis une à petite bretelle comme ceci, je trouve qu'on est très bien. Ce sont des, on va dire, des robes de confort. Et également, donc, j'ai trouvé ce très joli petit bijou également que je vous ai pris pour vous. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc, hashtag collier cette fois-ci.
Alors, en effet, avec Marion Makeup, on s'est dit, quand ça a été le déconfinement, qu'on se ferait une petite box avec 5 produits à l'intérieur, petit prix, pour fêter le déconfinement. Voilà, regardez-moi cette boîte si elle n'est pas trop belle. Alors, j'ai un petit menu avec les 5 petits cadeaux. Ah, et je vois que tu m'as mis des plus, coquine. Donc déjà, j'ai un petit bonus avec ce produit de la marque OGX en 385 ml. Et apparemment, ça a l'air d'être un conditionneur. Alors, j'espère. Oui, c'est ça, c'est bien un conditionneur. Je trouve également ces très jolies petites boucles d'oreilles que tu m'as déjà offertes, mais tu ne dois pas t'en rappeler. Et je vois qu'à l'intérieur, il y a une petite bague, donc je vous mets ça sur le côté. La petite palette Angel du site Makeup Revolution. Et j'ai eu cette très très jolie palette avec des couleurs magnifiques. Merci beaucoup Marion. Numéro 2, la palette Highlighting Ruby Crush de la marque Makeup Revolution. Et regardez-moi cette beauté, elle est juste magnifique. Numéro 3, c'est une palette du site Beauty Access. Tout est dans des très jolis petits emballages et regardez-moi cette petite pépite. Numéro 4, le rouge à lèvres liquide du site Eva Beauty Access de la marque Donna. C'est un très très joli marron et regardez-moi ce packaging. Numéro 5, alors la paire de boucles d'oreilles du site Wish. Ah, Wish est un site que je n'ai jamais utilisé ni commandé. Voilà, c'est très jolie paire de boucles d'oreilles dans les tons corail pour l'été. C'est magnifique Marion. Merci en tout cas, j'ai été ravie de faire avec toi cette petite box du déconfinement. Et puis nous, eh bien on se retrouve très bientôt pour des arrivages de chez Nose. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez Nose et ce magasin de déstockage dans lequel je fais tous les arrivages. Je vous dis tchuss et à bientôt!